Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Motus, votre jeu de mots quotidien sur France 2. C'est la deuxième émission de l'année, mesdames et messieurs, et nous accueillons quatre candidats pour jouer avec nous. Christophe et David pour commencer. Ils viennent de Calais, ils sont tous les deux fonctionnaires de police, ils jouent tous les deux au tarot, ils ont tous les deux un peu la même coupe de cheveux, la même carrure, ils font tout pareil. Bonne chance à tous les deux. Ils seront opposés à Florian et Bernard ce matin. Bonjour Florian, bonjour Bernard, bienvenue. Florian habite la Haute-Savoie, il est étudiant. Il a appris à lire avec Motus, mesdames et messieurs, tenez-vous bien. Et Bernard vient de l'Isère, il est conseiller funéraire et il est fan de Mylène Farmer. J'ai d'ailleurs une petite surprise pour lui. Oui, vous ne rêvez pas, mesdames et messieurs, elle est là. Merci de la... Ah bah non, c'est Thierry Beccaro. Bah alors. Je suis une catin. Bon, ben bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est un vrai, vrai plaisir de vous accueillir, de vous retrouver. Et moi aussi, j'ai appris à lire. Avec Mylène Farmer. J'ai appris à lire grâce à Motus. J'ai appris l'orthographe. Voilà. Ouais, je ne suis pas le seul, vous voyez. Donc, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 3 janvier aujourd'hui. Et ben, je suis certain que pour celles et ceux qui sont nés un 3 janvier, c'est un jour important. Eh oui. Et moi, je connais quelqu'un qui est né un 3 janvier et qui n'en finit pas de grandir. Bon, c'est ma petite Clara. Voilà. Petite, la Alors petite je l'embrasse Clara. Très très fort, parce que les années peuvent passer, ce sera toujours ma petite Clara. Mmh. Voilà, bon anniversaire ma petite Clara, je t'embrasse. Voilà, toute l'équipe de Motus t'embrasse, et même le public. Vous êtes le seul à ne pas être intervenu, Tom, merci. Ben, je l'embrasse, bien sûr Thierry. Ouais. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, hier, on a vécu quand même un retour en fanfare, honnêtement. Comme d'habitude, on n'a pas de nouvelles, mais enfin, c'est pas grave. On va saluer, il y avait Patricia et Marguerite. Et Marguerite, 7000 euros. Qui sont partis avec 7000 euros et qui sont partis au soleil, je ne sais où. Comme d'habitude, elles nous ont promis une petite carte postale. J'espère qu'elles tiendront leur promesse. Et nous allons jouer aujourd'hui avec David et Christophe. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ça va bien, David? Très bien. Alors, vous venez d'où? Un petit village au sud de Calais de 1200 habitants qui s'appelle Amboukra. Et vous avez le même métier que Christophe, c'est-à-dire que vous êtes... Policier. Policier. Et plus précisément? Brigadier chef à la police aux frontières du Pas-de-Calais. Et vous, Christophe? Gardien de la paix à la police aux frontières du Pas-de-Calais. Oui, mais attendez, non, il y a brigadier chef. Ah, non, pas les mêmes valeurs. Et il y a gardien de la paix. Donc vous êtes plutôt du coup à la frontière, hein, c'est ça? Côté anglais même. Côté anglais, ouais. C'est-à-dire c'est contrôle transfrontalier en Angleterre, en fait. Il y a du boulot? Il faut rester vigilant, c'est ça tout que vous voulez dire? Absolument. J'ai compris le message. Bonne chance à tous les deux. Merci. Vous jouerez contre Bernard et Florian. Bonjour Bernard. Bonjour Thierry. Vous arrivez d'où Bernard? J'arrive d'un petit village de l'Isère, donc l'Usinet, donc qui est juste à côté de Lyon, en fait, tout simplement. Et vous avez un métier assez particulier? Oui, un métier, pas toujours très gai, on va dire. Je travaille dans les pompes funèbres, je suis conseiller funéraire. Oui, mais vous me disiez que parfois... vous arrive de sourire et oui, il y a disons, dans ces moments-là, il y a tout type de situation, puisque malheureusement, les personnes émettent certains types de réactions. Donc, il peut y avoir des réactions, évidemment, la plupart souvent tristes, mais il peut arriver que des personnes rient nerveusement parce qu'elles ne peuvent pas donner d'autres émotions. Donc, c'est là que c'est très difficile de pouvoir s'adapter. Et voilà. Vous allez jouer avec Florian. Et Florian, lui, il est dans quel domaine? Bonjour Thierry, moi je viens de Passy et je suis étudiant en comptabilité. En comptabilité, c'est pas mieux, hein? C'est pas rassurant, non plus, hein? Non. Hein, vous savez, moi j'ai beaucoup souffert hein, avec les maths. Et Florian, vous deviendrez quoi? Comptable, j'imagine, oui? Oui, comptable. On va déjà viser cette barre-là, puis on verra après. Ouais. N'investissez pas trop dans... Hein. Non. Parce qu'il y en a pour qui ça finit mal. Oui, juste. Peut-être me reconvertir. Il n'y a pas, ils sont obligés d'aller frapper à la porte de Bernard.
Et la boucle est bouclée. Voici les grilles pour commencer la partie. Bonne année à tous, hein, Thierry. Optimiste cette année, hein. Ben non, ben attendez, ben évidemment qu'on arrive à en parler en souriant. Par les temps qui courent, il vaut mieux garder le sourire et donner un maximum de bonne humeur à celles et à ceux qui nous suivent. C'est vrai. Alors, bah, 7000 euros, c'est terminé. Maintenant, on repart à 50 euros, c'est voilà. Ça Ça, c'est la récession de 2012. Non, 1000 euros, Thierry a gagné aujourd'hui. C'est bien déjà. Oui, bah, je vous l'ai dit, les temps sont difficiles. Donc, tout ce qu'il n'y aura pas dans la cagnotte, j'essaierai de vous le donner. Comme ça, vous serez payé en sourire, en bonne humeur. Ça ne fait rire personne dans le public. Parce qu'ils veulent des sous, Thierry. On s'en fout, on veut des sous. Ah bon, ouais, d'accord. Bah, 1000 euros, alors, pour commencer. Florian, vous avez choisi des mots de... De 8 lettres, tiens. De 8 lettres. Eh bien, c'est parti, bonne chance. Merci. Voici la lettre B. Brouette, B-R-O-U-E-T-T-E. Une brouette. Binocle, B-I-N-O-C-L-E-S. Broderie, B-R-O-D-R-E-I-E. Rien à dire, Bernard, allez-y pour le mélange. Le 35. Florian. Pas mal. Nous cherchons un mot de 8 lettres, Bernard, qui commencera par la lettre V. Vésicule, V-E. Fessicule, c'est autre chose. Quand on commence à épeler fessicule comme ça, c'est qu'on n'est pas bien. Zut. Bernard, attention, Christophe, la lettre bonus, c'est le A. Vaudoise, V-A-U-D-O-I-S-E. Vignoble, V-I-G-N-O-B-L-E. Vermine, V-E-R-M-I-N-E-S. Vaseuse, V-A-S-E-U-S-E-S. Vacherin, V-A-C-H-E-R-I-N. Passer. Voici Florian, la lettre I. Vasistas, V-A-S-I-S-T-A-S. Bien joué. 100 à rien et 100 points de plus, Florian, si vous prenez le 37. Allons-y, Bernard. 37. Et voilà. Je vous rappelle quand même que vous avez deux policiers à vos côtés. Hein, il faudra faire un petit effort pour que ça se passe bien, Bernard. Christophe, David, à tout à l'heure, on va déjà changer les grilles. Et nous retrouvons juste après Bernard. 200 à rien pour l'instant. Voici pour Christophe et David une grille. En vous rappelant Florian Bernard qui n'ont toujours pas marqué. Ce sont des policiers. Et qu'il faudrait faire un petit effort quand même. Merci de ce que vous pourrez faire. Ouais. Bernard, nous continuons et nous cherchons toujours des mots de 8 lettres. Et voici pour vous le P. Poulaine. P-O-U-L-A-I-N. Prohibé, P-R-O-H-I-B-E-R. Faites ce que vous voulez, hein. Moi, Non, mais un jour, vous passerez peut-être par Calais. Enfin, moi... Tant pis pour eux. Nous, on s'en va. Moi, je veux rien savoir. Ça, c'est votre problème, hein. Florian, vous mélangez, oui. S'il vous plaît.
69. Décidément. Bernard. Ah, c'est mieux. Voilà, voilà. Là, d'accord. Ça, voilà, ça, ça va bien avec mon métier. Oui, mais c'est un, voilà, voilà un bon geste. Voilà, sympathique. Oui, maintenant, merci. Vous pouvez passer par Calais. Sans problème. Je pense que David et Christophe sauront s'en souvenir. Tout à fait. C'est à vous de jouer. Bonne chance, Christophe. Merci. Zoologie. Z2OLOGIE. Zucchette. Z-U-C-H-E-D-T-E. Zigoto. Z-I-G-O-T-E-A-U. Une zucchette. Oula. Je ne connaissais pas. C'est un petit zigoto. Non, mais c'est la zucchette. Les zucchettes à la menthe. Vous me direz ce que c'est qu'une zucchette, hein, tout à l'heure. Florian, la lettre bonus. Zénitude, Z-E-N-I-T-U-D-E. Bien. Vous mélangez et on s'intéressera au mot zucchette, Florian. Allez-y. 33. 33. Bernard. Alors, qu'est-ce qu'une zucchette, Tom ? C'est une courge d'Italie, Thierry. Ça doit venir de zucchini, par exemple. Vous voyez ? Zucchini. Parce que, non, bah, vous l'avez dans le dico, c'est pour ça. Mais oui. Ah non, parce que tel qu'on vous voit, on a l'impression que c'est sorti oui, comme genre, ça. Oui, genre, bien sûr, une zucchette. Non, je l'ai dans mon genre, dictionnaire. Genre, dans mon potager, j'ai les zucchini. Oui. Non, ouais. J'ai cherché. D'ailleurs, il fallait le trouver. Hein, c'était dans le troisième dictionnaire. D'accord. Une petite courge. Une courge de taille normale. Écoutez, pas vraiment. Thierry, je ne sais pas. Vous n'allez pas me pourrir la matinée. Une zucchette, voilà. C'est pas moi. J'en ai jamais mangé, moi. Qu'est-ce que vous me demandez à moi? Et qu'est-ce que c'est qu'une zucchette qui ne serait pas de taille normale? Une zouk? Je ne sais pas. C'est une zucchette, Nina. Une petite zucchette. Oui, mais non, je ne sais pas. Oui, voilà, donc ça suffit. Mais merci beaucoup, Tom. Pardonnez-moi, j'ai un petit peu insisté, mais c'est pour le bien de toutes celles et tous ceux qui... Et zigoto, Thierry, c'était avec un O, bien sûr. Hein. Ouais, juste pour information. C'est un petit... Non. Bernard. Voici le C. Coudray. C-O-U-D-R-A-I-E. Concluant. Ah non, 9 lettres. Aïe, 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 aïe. Vous le savez en plus. Christophe, là, il faut marquer absolument. Voici la lettre bonus. Chocolat. C-H-O-C-O-L-A-T. Ben oui. J'ose pas. Cajepu. C-A-J-E-P-U-T-S. Ah. Je sais pas, Thierry, ce que c'est. Clochard, C-L-O-C-H-A-R-D. Et là, si vous voulez, là, j'ai un peu de mal à vous trouver des mots, j'ai cassé le dictionnaire. Donc. Ah bah ça, c'est les fezouquettes. C'est les fezouquettes, genre voilà. Vous avez, mais c'est vrai? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ben il est tombé, en fait. Ah là là, allez-y, vous mélangez, Christophe, s'il vous plaît. Le 66. David. Christophe, vous regarderez bien devant vous, hein, s'il vous plaît. C'est à David de jouer à présent avec la lettre O. Oripeau. O-R-I-P-E-A-U-X. Ombilique, O-M-B-I-L-I-C-S. Omelette, O-M-E-L-E-D-T-E. Pas mal, ça. Bien joué, David. Allez-y, s'il vous plaît. Le 60 rapporte 100 points. Voilà.
Thierry. Bon, alors nous retrouvons Florian. Et Florian va jouer avec la lettre... Oui, Tom. Je me permets d'attirer votre attention. Des précisions sur le mot zouquette ? Pas du tout, ce sera le dernier mot. Ah, le dernier mot commencera par un S, Florian. Sanglier, S-A-N-G-L-I-E-R. Saoudien, S-A-O-U-D-I-E-N. Sanguin, S-A-N-G-U-I-N-S. Sanglant, S-A-N-G-L-A-N-T. Saugrenu, S-A-U-G-R-E-N-U. Bien joué. Excellente première partie de Florian et de Bernard qu'on va applaudir très fort. 400 points. Christophe, David, trahi au dernier moment par la boule noire. Applaudissements pour Christophe et David. Et des cadeaux qui sont pour vous, regardez. AvantQuest Software vous offre un studio photo connecté à Internet et un logiciel pour optimiser votre ordinateur, ainsi que 100 euros de logiciel à télécharger sur avantquest.com. Ça va, vous vous débrouillez bien avec l'ordinateur? Oui. C'est le genre de réponse que je n'ose plus faire, mais ouais, on est à peu près dans le même dans le même wagon, quoi, si je puis dire. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Saluer les amis? Oui. Brigadier? Les collègues, la famille, mon épouse et mes deux enfants. Brigadier chef? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Du côté de Calais? De l'Angleterre même. Du côté même de l'Angleterre. Et vous, Christophe? Eh bien, la famille, les amis, les collègues... Sonia, Erwan, Lola. Vous avez les noms? Tout à fait, c'est fait. C'est bon. Ça va bien se passer. Ça va aller. Oh, j'ai une agence de voyage quelque part. C'est pas mal. Il a une agence de voyage. Mais c'est pour un aller simple. Tout à fait. C'est pour un aller simple. Le plus tard possible. Merci beaucoup. Dans un petit instant, nous allons retrouver pour la super partie. Et il y a 1000 euros tout de même à gagner. A tout de suite. Pour participer à Motus, contactez-nous au 01 56 22 2000 ou sur le net motus@francetv.fr. Et pour nos prochaines sélections, nous serons le samedi 14 janvier à Paris, le mardi 24 à Beauvais, le jeudi 26 janvier à Mâcon, le vendredi 27 à Montluçon et les samedis 28 à Clermont-Ferrand. Alors composez à tout moment de la journée le 01 56 22 2000 ou écrivez-nous motus@francetv.fr. N'hésitez pas à venir nous retrouver. Vous passez les sélections et vous faites comme Bernard et Florian. Vous tentez de gagner 1000 euros en super partie. Si ça n'est pas le cas, vous passerez un bon moment. Ça, je vous le garantis. Florian, Bernard, vous devez trouver 10 mots de 8 lettres en 4 minutes et 30 secondes. Et ensuite, vous partez avec 1000 euros. Bonne chance, messieurs. Merci, Thierry. Tout ça, c'est pour vous. Merci. Guai, Joyeux, de Zaleu. Genevois, G-E-N-E-V-O-I-S. Gencive, G-E-N-C-I-V-E-S. Genièvre, G-E-N-I-E-V-R-E. Toi, I-T-O-U-A-I, de Zelleux. Tabloïd, T-A-B-L-O-I-D-S. Trapèze, T-R-A-P-T-E-Z-E-S. Trappiste, T-R-A-P-I-S-T-E. Transit, T-R-A-N-S-I-T-S. Trahison, T-R-A-H-I-S-O-N. Poulaine, P-O-U-L-A-I-N-E. Portière, P-O-R-T-I-E-R-E.
Péruvien, P-E-R-U-V-I-E-N. Purifier, P-U-R-I-F-I-E-R. Commenter sur 2MNT. Commande CO2MANDE. Commando CO2MANDO. Communal CO2MUNAL. Deux minutes dix. Bride, Baudroit, BEU des Royeux. Blender, BLINDERS. Blender, BLINDER. Ah ben non, pourtant Blender. Ah. Brisant, BRISANT. S, non, ça passe pas. Manque un S. Malaxé, M-A-L-A-X-E-S. Malotru, M-A-L-A-U-T-R-U. Ouais, Malo, L-O. Malotru, M-A-L-O-T-R-U-E. Malgache, M-A-L-G-A-C-H-E. Délibéré, de LIBERE. Délabré, de LABRE. Délecté, D-E-L-E-C-T-E. Délébile, D-E-L-E-B-I-L-E. Repasser REP à 2SER. Riposter R-I-P-O-S-T-E-R. Rupestre. Rupestre. Voilà, repasser, c'est ce que vous allez faire. Oui. Bon, bah, il manque quelques mots. Hein. Oui. Il doit y avoir six mots, je crois. Six ouais. mots sur dix. Bon, j'essaie de vous informer sur le temps, mais vous avez laissé passer. Oui, oui. Building. Building. Ça nous a fait perdre building. Du... Building. Ça nous a fait perdre beaucoup de temps. Eh oui, vous vous êtes dit, tiens, c'est peut-être le 11e mot. Ouais. Non, non. Non, non, mais vous n'avez pas choisi les bonnes lettres. Mm. Donc, Pierre Malotru. Oui, Malotru. Florian a failli tomber en, en dépression nerveuse. Alors, Emma, hello. Il a réagi, là. Hein. En tout cas, il y avait 1000 euros à gagner aujourd'hui. Il y aura 2000 euros, Bernard, Florian, la prochaine fois. Donc, j'espère que vous reviendrez en pleine forme. Vous, bah, je vais vous souhaiter une très, très belle journée. N'oubliez pas, pardon, que nous avons quelques sélections à vous proposer. Où va-t-on dans les prochains jours, Tom ? Nous serons le 14 janvier à Paris, le 24 à Beauvais, ensuite le 26 à Mâcon. Ensuite, nous irons du côté de Montluçon. Pour finir à Clermont-Ferrand le 28 janvier. Voilà. Voilà, que des endroits fort sympathiques où vous aurez le plaisir de rencontrer des gens très sympathiques. Olivier, Christian, et les sélections sont plutôt sympas. On n'est pas trop fait. Souffert. Non, du tout. Vous non plus. Ah non, pas du tout. La preuve, c'est que vous êtes venu. Et c'était pour Bernard, c'était la première fois. Oui, tout à fait. Bon, et vous, Florian ? Deuxième. Deuxième ? Vous aviez gagné un peu de sous déjà ? 4000. Ouh, c'est ah, pas mal. Ouais. Pas ouais, mal. Ouais. Là, aujourd'hui, ça s'est moins bien goupillé. Hein. Ouais. Mais bon, on a une deuxième fois. Hein. Ouais. Vous allez vite hein, quand même, attention. Hein. Ouais. Je vais dire un petit bonjour rapide. Oui. Bonjour à Gisèle du club de l'Usinet et Michel et Rémi qui se reconnaîtront. D'accord. Enfin, comme vous allez y revenir, vous auriez pu le faire la prochaine fois. Tant pis pour vous, vous avez mangé votre pain blanc. À la prochaine fois, je vous souhaite une très très belle journée. Amusez-vous bien sur France 2. Au revoir.